C'est un mix d'allemand, d'espagnol et d'anglais, c'est pas mal. Bon. On va rentrer sans toucher les patates. Oh oui, j'espère. Hein. Sans patates. Ouais, il faut aller doucement hein, parce qu'il y en a mais pas. Mais regarde, ils sont tous debout, Tom. Tu peux te mettre debout toi. Hein, ma chère. Mais je sais pas où est droite et gauche. Ouais, ça c'est un problème. Je guide mon mari. Non, mais tout droit. Non, les gens sont bons. Je sais pas, vas-y, avance. Presque, ouais. Avance. Avance. Plus vite. Plus vite. Plus vite. À droite. À gauche. Il y avait une patate là. Il y en a une là. C'est pour ça qu'il rentre tôt ici. La soirée se termine à 5h30. Il est 5h30 là. Alors, en tout cas, il n'y a pas la police sur le chemin, donc on n'aura pas d'excès de vitesse, ça c'est sûr. Le quotidien de la vie en bateau. Nous avons préparé toutes nos affaires. On va aller faire un petit tour sur la magnifique île qui est là-bas. Voilà. Et puis, maintenant, il y a un train qui passe. Voilà. On attend une fenêtre météo. Et puis on s'ennuie pas. Regardez, il me répare la lampe qui est là, qui a jamais fonctionné et qui serait vraiment pratique d'avoir une lampe. Oui, je vois pourquoi, parce que l'ancien propriétaire il a confondu le plus et le moins avec 12 volts, ça part longtemps, c'est clair. Donc il faut que je... Toujours avec sa frontale. Et ça, c'est un siège. Hein. C'est un haut siège, ici. Et puis, on est en train de méditer sur le fait que on pourrait faire plutôt un plan de travail et puis une étagère, ici. Parce qu'on ne s'est jamais assis là pour naviguer. On est trop haut, là. En fait, on s'assit sur la marche, ici. On a un coussin et on est mieux calé. On est mieux, là. Et regardez ce qu'il a fait, mon mari, aujourd'hui, pendant que j'ai plongé. J'ai enfin une lumière pour accéder à... Pour voir ce qu'on a à bouffer. Pour voir ce qu'on a à bouffer. C'est-à-dire pas grand-chose. Bon, y a une chose aussi ici par rapport aux marquises. Ici, il y a une chose qui est vraiment géniale. Vous savez ce que c'est? C'est que je peux enfin de nouveau utiliser une balance. Parce que sur un bateau qui roule, elle est géniale ma balance. C'est une super balance que j'ai trouvée pour 3 fois rien en Panama. Ça prend pas de place. Mais quand le bateau roule, eh ben ça va pas. Et ici, ben ça roule pas. Donc ça va. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? La question.
pas m'entendre, mais on va passer la passe de Makemo. On a traversé tout l'atoll et là on est devant la passe à l'ouest de Makemo. Pas l'est, pas l'ouest. Voilà. Normalement on est à peu près juste, on arrive à peu près à l'étal. L'étal sera juste passé. On aura peut-être juste un petit peu de courant contre nous. On verra. Avant qu'on sorte du lagon, hein. On doit faire maximum 3 nœuds et demi de vitesse pour arriver à l'heure devant l'atoll de Tahanea, où on va aller se mettre à l'abri d'un coup de vent qui est prévu d'ici la fin de la semaine. Là, c'est la première fois que je m'assois depuis qu'on est parti à midi et demi à peu près pour quitter l'atoll de Makemo. On était en train de lever l'ancre et puis il y avait le premier flotteur qu'il fallait récupérer. Les flotteurs sont attachés à la chaîne avec une ligne très fine. Du coup, Anisia m'a dit de mettre le bateau un petit peu vers le tribord pour soulager la chaîne. Donc j'ai fait un petit peu marche avant. Et pour aider à changer la direction plus vite, j'ai mis le propulseur. Sauf que la ligne du premier flotteur, il était en proximité du propulseur et elle s'est prise dans le propulseur. Et du coup, ouais, c'était le bordel, quoi. Non, c'était la catastrophe. C'est pas filmé, c'était un gros moment de stress. On peut pas filmer, ça. En plus, il fallait quand même qu'on parte. On avait aussi le stress de partir et d'arriver à temps pour passer la passe, donc on n'avait pas trop le temps de s'amuser avec ça. Finalement, Tom, il a plongé, il a réussi à libérer, il n'a pas mis des gants, c'était pas très malin, du coup il s'est ouvert la main. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bien fait coupure. Mais voilà. Et on a traversé le lagon, et tout va bien, et là, on fait une... C'est dommage, hein, parce qu'on aurait des super conditions pour faire une magnifique navigation. Hein. Mais on a mis le minimum de voile. On avance lentement, mais sûrement. Bon, on va tellement lentement qu'on ne peut pas pêcher. Hein. On essaie, vous connaissez des poissons qui nagent à une vitesse d'escargot. On a 50 000 nautiques à faire jusqu'à la Tahanea. Oui, 50 000 nautiques. Maintenant, on a fait la deuxième passe, cette fois pour sortir. Et puis, une chose qui a l'air de jouer, quoi, c'est vraiment quand il y a marée basse ou marée haute, une heure plus tard, c'est là où les courants tournent. C'est là où il y a le moins de courant, quoi. C'est l'étal. C'est l'étal en français, oui. Et c'est là où c'est l'idéal de passer. Et nous, franchement, on a fait exactement la même vitesse comme on faisait dans le lagon. Donc, je pense, on était quasiment à l'étal. On était une demi-heure plus tard même. Il n'y avait pas de courant. Et il n'y avait pas de courant. On était la même vitesse. Donc, ni contre, ni avec. Ce qui fait que là, c'était même... Une heure et demie après la marée basse, c'était justement, on avait encore des circonstances. Okay. C'est cool. On navigue avec un Cal 46 et puis un Albert Racy 43 devant nous. On est tous sous string. Vous savez ce que c'est un string sur un bateau? Ça c'est un string. Oh, quoi que. C'est un tanga, c'est pas un string. Hein? Plutôt, ouais. Un tanga.
ça c'est quoi? C'est Navionics. Avec les cartes satellites que tu as pu mettre dans Navionics. Ouais. C'est génial. Ouais, mais elles ne sont pas très précises, non? Si, si. C'est justement ça. Si tu les télécharges après aussi pour l'utilisation offline, ils sont vachement nets. Tu as tous les, détails, là, les petits trucs, tu as tous les détails. Oui, ça bouge. Ça bouge. Non, non, c'est même, moi je trouve presque plus net que les cartes que j'ai sur OpenCPL. Mmh. Donc ça marche très bien. Quoi. Là, on voit toute la planification depuis le mouillage qu'on a eu aujourd'hui, là. Le magnifique mouillage qu'on a quitté beaucoup trop vite. Mm-hmm. Traverser l'atoll, la sortie de la passe. Mm-hmm. Et maintenant, on est en route avec 3 nœuds pour ne pas arriver trop tôt demain matin devant la passe de Taranea. Et là, t'as ici, t'as l'application, ou l'application, tu peux voir les marées, et demain, tu vois, les marées demain, ils vont être à 7h30, c'est marée haute. Donc, ça veut dire que jusqu'à 7h, l'eau va entrer dans l'atoll. Donc, même si on est là à 6h, on a un peu du courant avec nous, on est presque au point zéro. Et donc on peut entrer à partir de 6 heures, je dirais, on peut entrer. Okay. Si on entrait avant, on aurait un peu trop de courant, et en tout cas, il ne fait pas encore jour. Donc. Oui. Comme on n'a pas beaucoup de toile, eh ben on est vraiment bien secoué. Hein. Je sens que ça va être une super nuit. Allez, je vais me coucher. Plus dedans. C'est une sale gueule comme jamais. À la tête de ne pas avoir dormi de la nuit, c'était une sale nuit. On a navigué sous-toilé, ça veut dire qu'on était à la merci des vagues. On est avec 5 autres bateaux, on a fait la course à qui va le plus lentement possible. Et là, on est devant l'atoll de Taranea. Le soleil vient juste se lever. Et puis, il y en a le premier qui va passer. On avançait, on faisait des pointes à 5 nœuds avec un tout petit mouchoir à l'avant. Ça faisait balloter comme je sais pas quoi. On avait, je pense, 15-20 nœuds de vent, plein de grains toute la nuit. On n'a pas vraiment pas dormi. C'est ça, naviguer au Tuamotu. Tu as 2 atolls, tu quittes. On a quitté Makemo à 1h, le bon moment. Et puis là, il faut rentrer à 7h. On a 50 000 entre les deux, donc c'est 3 nœuds. À quel moment de la marée, là? Hein? Marée haute. On est à marée haute. Oui, dans 1 heure, c'est marée haute. Là, on est un peu avant la marée haute, donc il y a encore le courant qui entre. Avec le vent qu'il y a aussi et tout, en tout cas, on aura encore le courant qui entre. Ouais. Et là, maintenant, il faut juste voir si dans la passe, si ça déferle ou pas, mais je pense que ça a l'air... Ça a l'air d'aller. C'est les Suisses qui sont devant, hein? Il y a... Vive la Suisse! Anila qui est devant, oui.
Voilà, on est à Tahanea, au sud-est de Tahanea, où c'est qu'on est venu se protéger du coup de vent qui a annoncé à partir de demain, pendant plusieurs jours, on aura jusqu'à 35 nœuds dans les rafales. Et il y a pas mal de bateaux. Voilà. Mais ça va être cool. Vous avez vu, j'ai acheté une nouvelle chaussure. Une chaussure pour être à la mode pour marcher dans les coraux morts. C'est beau, hein? On se dégourdit un petit peu les jambes. Bon, le nœud chaise autour du cocotier, voilà. Ça va tenir mieux que tout le reste. Voilà, hop. Mm-hmm. Et encore un petit demi-tour. On est bien là. On est bien. L'autre annexe, là. Mm. C'est photogénique, hein, en carrière. Mm. Bon, on va à droite ou à gauche? Tu veux un cours de photo? Ça fait longtemps, Anicia. Moi j'ai toujours aimé avec, le, avec ça, mais ça va pas. Mmh. Moi je cherche des coquillages. Ces couleurs, c'est magnifique. Alors, capitaine, ça valait la peine d'avoir une nuit de navigation Ouais, c'était dur, c'était difficile. On n'a pas beaucoup dormi. Non. Je fais jamais la sieste, mais aujourd'hui, j'ai dormi de 10h jusqu'à 1h presque. J'ai encore rattrapé le sommeil, mais là, on est... Mais c'est ça aussi, naviguer entre les atolls. Tu as des distances, des fois, tu dois quitter l'atoll au bon moment, passer la passe au bon moment pour arriver à l'autre atoll au bon moment aussi. Donc, suivant quelle distance tu as, tu dois naviguer au ralenti, là. De se taper 50 000 ou 50 nautiques, pardon, les Français, la nuit, en faisant 3 nœuds pour ne pas arriver trop tôt à la passe du prochain atoll. C'est vraiment pas drôle. Non. On s'est fait secouer, tomber malade. Parce qu'en plus, on aurait pu faire une magnifique navigation. On avait du vent, c'était magnifique. On aurait pu mettre tout le Génois, on aurait fait 7 nœuds, on aurait eu... ça aurait été magnifique. Mais ça vaut la peine, parce que là, c'est vraiment le paradis. Quoi. Et on est bien protégé pour les vents forts qui vont venir ces prochains jours. Ouais. On va avoir du 30-35 nœuds. Donc, voilà. On est protégé parce qu'en fait, le vent, il va venir de... Sud-est. Le vent va venir de là. Et ça, c'est le motu qui va le bloquer. Oui, oui. Ça va nous protéger. On est derrière un motu qui est justement orienté sud-est. Ouais. Puis en plus, on aura quand même peut-être un peu une vie sociale avec tous les bateaux qu'il y a là. Oui, on a plusieurs bateaux amis qui sont là. On est assez sauvages, nous, souvent, mais là, notre vie sociale, c'est ça aussi, en bateau, il faut quand même dire une chose, c'est que ça manque des fois d'avoir une vie sociale, d'avoir des amitiés, des gens avec qui on fait un bout de chemin. Parfois, ça manque, oui. Après, nous, au mouillage, on se met toujours un peu à l'écart, on aime bien un peu l'intimité, la distance avec les autres, comme maintenant aussi. Ouais. Mais après, c'est quand même bien de savoir qu'il y a du monde à côté, au cas où. Après, on est assez timide aussi. On n'a pas. Des fois, on a. Toi, parle pour toi. Ouais, toi. Moi, je suis pas timide. Toi, t'es sauvage. Moi, je suis sauvage. Ouais. Il regarde les gens avec son air méchant. Non. Encore peut-être pour le mouillage. Là, on est mouillé sur 8 mètres dans le sable. On a les premières 20 mètres de chaîne sont dans le sable. L'ancre, il est bien planté. Et puis après, on a mis 2 flotteurs. En tout, on a 50 mètres de chaîne sur 8 mètres de profondeur. Donc le vent, il peut arriver. On est équipé, on est prêt. Voilà. Bon, on va jusqu'où? Un petit bout. Ouais, demain, je viendrai faire le footing au long. Elles sont bien, ces chaussures, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais le problème, c'est que... Il y a quand même des cailloux qui viennent dedans. Un atoll inhabité. Mais habité par une quinzaine de voiliers. Regarde, on dirait qu'il y a les nuages qui flottent sur l'eau. Trop beau, hein? Ah, moi, je suis en émerveillement. Je me lasse pas. Je ne me lasse pas de cette vie sur l'eau. J'ai peut-être le mal de mer, mais en tout cas,
je sais pourquoi je navigue. Mais j'étais mal cette nuit. Oh là là. Enfin, chaque fois, je suis dans un état. Il y a des jours, franchement, sur le moment, j'ai vraiment des fois, genre, j'en peux plus. Hein. Je me dis, c'est fini là. Et bon. On va bien dormir. Abonne-toi. Active la cloche. Et laisse le pouce en haut. C'est gratuit. Et si tu veux nous aider un peu plus, eh bien, inscris-toi sur Patreon, rejoins notre communauté Patreon. C'est grâce au Patreon qu'on peut créer les vidéos et qu'on peut investir dans le matériel nécessaire. Ça veut dire pas mal de GoPro, caméras, drones. Notre drone en ce moment a besoin de nouvelles batteries. J'ai besoin de disques durs externes. J'ai besoin de boîtiers étanches pour ma GoPro parce qu'il est plus étanche. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et voilà. À la semaine prochaine.